sachez qu'il y a toujours quelqu'un qui vous aime quelque part. Puis si vous êtes convaincu du contraire, allez chercher de l'aide, je vous en supplie. Mélissa Cochon, alias Mademoiselle Fizz, avait prévu lancer son nouvel album, Plaisir coupable 2, en mars dernier, lors d'une soirée au profit de la Fondation Cerveau, une fondation dans laquelle elle s'implique depuis plusieurs années. J'ai découvert une fondation qui est vraiment proche des gens, qui a un impact qui est mesurable. À chaque fois qu'il y a un événement qui arrive, à chaque fois que j'ai des gens, tu sais, dernièrement, on a récemment perdu un ami, justement, à cause d'une détresse. Puis je pense que ça prend tout le temps plus de sens. A simple thing, wherever you're born. I'm getting old and I need something to rely on. Cerveau finance la prévention, l'enseignement, la recherche et les soins des maladies mentales chroniques et des problèmes de consommation. Depuis les dernières semaines, l'équipe continue de mettre tout en œuvre pour aider la population. On partage tout ce qu'on peut pour aider les gens à trouver ce qui va leur convenir pour gérer leur stress, pour gérer leur anxiété plutôt. Qui est tout à fait normal, ceci dit, hein, que tout le monde en ressente plus qu'habituellement. Puis on continue de soutenir nos équipes de soins parce que les besoins sont vraiment grandissants dans la population, surtout chez les 12 000 personnes qu'on suit dans la communauté, bien sûr. Mélissa a elle-même vécu des moments plus difficiles et c'est la musique qui l'a aidée à passer à travers. Avec son nouvel album, l'artiste a choisi des chansons qui font du bien. C'était vraiment des pièces de cœur, des pièces qui nous touchaient, qu'on voulait. C'était de ça un petit peu le plaisir coupable, c'est d'être capable de se donner le droit de mettre n'importe quelle pièce sur un album ensemble juste parce qu'on les aime. I wanna run. L'album est disponible en version physique et numérique. Quant au lancement, il est reporté au 25 septembre à l'Impérial Bell et tous les profits de la soirée seront remis à la Fondation Cerveau. Ici Claudia Jeunel, Radio-Canada, Québec.